ouf. Nous devions façonner ce monde. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rain. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. À la fatigue. Notre monde. Grosse journée aujourd'hui. Dans l'œuf, à cause de cette populace naïve et arrogante, le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons trouvé leur secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Ça m'a l'air sympa. Nous avons notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leur défense. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leur camp et leur baraque. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Oh là là, ça m'a l'air bien sanglant en tout cas. Je rappelle que le stream est en plus 18, âme sensible s'abstenir. Qu'est-ce qui se passe dehors ? Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. Ok, ouais, bon. C'est l'heure d'y aller. Ouais, prends tes affaires. Prendre des armes. C'était quoi ça? Juste un petit flingue. Ça va être tendu quand même, juste un petit flingue. Je sécurise la porte. Un boomerang. Ah oui. Il y a déjà 10 ans qui gîtent, même pas 2 minutes. Mais tu veux arbitrer ça, Walker? Lily, c'est la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orphelin. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok. Alors on fonce dans le tas. Bon bah, on fonce dans le tas, hein, sa mère. Qu'est-ce que... Méchant ? Méchant. Oh, il avait une sale gueule celui-là. Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Les chiffres, c'est pas mon truc. Rejoins-nous dans la cour, tout de suite. On arrive. Lily est avec moi. Cherchez et mobilisez pour avertir les autres camps. Ils doivent être informés. On va rigoler alors. On va faire une chose. À quoi? Ramasser les piles. Ah, la combat. Ouais, ok. C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eue. Je déconne pas. Alors on y va. On va aller se chercher une jolie médaille. Infusion de santé. On n'a pas besoin. Maman nous attend dans la cour. C'est là que... Ah oui, il est beau, lui. Un grand. Oh putain.
Tiens, mange ça. Oh non. Ouais, ben. C'est pas le seul à avoir perdu la tête pour le coup. Adieu, Ranger Jersey. Il s'en remettra pas avec un pansement. Oh la feinte. À moi de jouer maintenant. Enfiler l'armure de Ranger. Eh ben, vas-y alors. On va envoyer ces monstres dans le Westland. Ah, elle est là. Bon, je découvre, hein, faut pas m'en vouloir. Hein. Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais. Allez. Changer d'arme, ouais. J'arrive. Vas-y, on va tester. Hein. Ah, je crois que je me suis loupé. Ça va, heureusement, c'est du tir plus ou moins. Et ça boum boum. Changer de gadget, changer de gadget. On n'a même pas laissé le temps à la grenade d'exploser. Allons-y. T'es jalouse, Lily? Bah ouais, pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune ranger de l'histoire. Ces conneries de la nourriture. On s'en fout. Mais j'ai un peu trop de sensi dans le joystick. On va régler ça. Hop. On met de la manette. Le X, c'est comme ça, on est d'accord. C'est un peu mieux. Walker, qu'est-ce que tu fous? Magne-toi! Une seconde, Walker en approche. Bon, pour l'instant, je tire dans le tas. Ah, je suis trompé de gadget. Non. Allez. Comment ça? Ok. Ouais, donc du coup. Je vois pas comment ça marche. Je vois pas comment ça marche. Mets lui un pansement. Mais non, pas besoin, pas besoin. Attends, je sais même pas où je dois aller là. Attends. Il est où l'objectif à part là? Tiens! Oh, il a éclaté! C'est quoi cette chose? Ouais, c'est bien barbare, ça me plaît bien jusqu'ici. Allez, toi Tigo, bonne nuit. À toi, bonjour. Merci à toi d'être passé et une bonne nuit à toi également. À la prochaine. Elle a été défigurée, la madame. Où en est le Ranger Jersey? Il est mort, le Ranger Jersey. Et mais de rien, Toons. Décoré, Ranger, modèle.
N'oublie pas de repasser. Elle m'a recueilli à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'un orphelin sauvage puisse souhaiter. Walker au rapport. Viens là. C'est l'armure de Jersey. Jersey. Ils l'ont tué. Il n'y a plus de Jersey. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. Quel gros tas derrière là. C'est quoi ce bordel? Je l'ai tué. Le général Cross. Ah, c'est sanglant, sa mère. Je veux la première génération. Tuez tout le reste. Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique. Notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux garnements comme moi. Je sais pas si Prolet est devenue dingue, ou si elle a raison, mais si c'est le cas, je le laisserai pas faire. Reste ici. Je te donne un ordre. Oh, il y en a un seul qui a failli passer. Attention. Non. On s'est fait choper par le gros. Hop là. Il a perdu la main. Prolet. Irvina Prolet. C'est bien toi. Je pensais épargner les premiers archéens. Ça me plaît bien. Pour faire des expériences. Mais pour toi. Je vais faire une exception. En l'honneur du bon vieux temps, Irvina. Non! Oh, allez. Après tout, c'est grâce à ton impuissance que je suis encore en vie. Il a une de ses têtes en plus. Tu vas me dire, il a plus que ça à la tête. En tout cas, c'est bien sanglant. Moi, ça me plaît bien. Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez. Attends. Putain. J'étais plus dans les vapes. Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. C'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. C'était le général Cross. Il... Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Le gameplay me fait un peu penser à Borderlands. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité. J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Ils les gardaient dans le Presidio. QG des Rangers ? Malade. Il y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison. Mais ouais. Et si je te mettais une balle? Ah non, ça marche pas. Ok. Je sais pas de quand il date le jeu, mais ça va encore. Hein. Ça va. Pas trop dégueulasse. Sergent. Aucun sergent.
sont tous morts. Exactement. C'est ce que je viens de dire. J'ai déjà failli crever. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien, Prolet. Je suis scanné. Ici le protocole de sécurité du Présidio. Déclinez votre nom, grade et raison de votre présence. D'accord. Unité des crapahuteurs. Caporal Walker. Je suis venu chercher des infos sur... sur le sergent d'unité de Ranger, Ervina Prolet. Très bien. Protocole de sécurité désactivé. Oh. Ouais. Walker, si tu vois ce message, ça veut dire qu'on a subi une attaque qu'on n'a jamais vue. Je suis sûrement morte, et Vinland doit être en ruine. Ça veut dire aussi que tu es le dernier Ranger en vie, que l'autorité est de retour, et qu'on doit les arrêter. Pendant toutes ces années, j'ai tenté de t'éloigner des pour que tu ne périsses pas dans une attaque comme celle-ci. Une attaque qui ciblerait les rangers et les anciens. Tu es mon arme secrète. Désolé de te l'avoir caché. Tu as maintenant un accès total à l'arche originale de Vinland et à sa technologie. Cette bonne vieille glacière. Imagine passer des siècles là-dedans. Moi, tes parents, tous les originaux, congelés comme des bâtons de glace. C'est de là qu'on est sorti. L'image me suit. Il y a un distributeur d'idées intronisation dans l'arche. C'est mon cadeau le plus important. Cet appareil amplifiera les nanotrites dans ton sang pour te donner, eh bien, des super pouvoirs. Je ne vois pas comment le faire. Entre dans l'arche et active-la. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, feu Prolet. Elle est peut-être morte, mais elle me donne toujours des ordres. Alors, les arches sont extrêmement importantes et peuvent contenir aussi bien des armes archéennes que des capacités nanotrites. Cherchez-les dans le Westland pour gagner en puissance. Approchez de l'arche, faites face à la porte et utilisez votre focus en maintenant un but pour ouvrir. Ok. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue je dans te tiens la force. 401A. Alors je dois juste mettre ma main là-dedans et croiser les doigts. Allez. Attention les yeux. Je croyais pas si bien dire en disant attention les yeux. Bienvenue dans la salle de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'arche et vos idées intronisation. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation ruée. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et serez plus difficile à toucher. Ok. Ok. Sur LB pour utiliser LB dans n'importe quelle direction pour esquiver les attaques en approche et empêcher les ennemis de monter. Bien. Ah ouais. Encore une fois. Encore une fois. Et encore. Et encore. Bon travail. Une simulation vous permettra de vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. C'est bien. Ok. Vas-y, charge ta roquette et... Refaites-le. C'était pas très dur. Hein. Disons qu'on a le temps de les voir arriver. Encore une fois. Coucou. Yeah. Bien. Vous avez terminé votre entraînement à la ruée. C'était pas très difficile. Fallait vraiment
que ça me bouffe le bras. J'ai d'autres informations pour toi. C'est bizarre de recevoir des ordres de ma tante morte. Oh, pardon. Du coup, pour en revenir à Death Stranding, je crois que je vais attendre de changer de PC avant de revenir dessus, parce qu'apparemment, ça le supporte pas. Donc, voilà, faudra un petit peu patienter pour que je finisse ce jeu. Ce qui est fort dommage, parce qu'il me plaisait beaucoup. Enfin, il me plaît toujours beaucoup, hein, c'est pas ça. Hop. Du coup, on a de quoi se faire la main entre-temps. Hop. Voilà ta première idée intronisation. Tu verras, il y en aura d'autres. Il existe encore beaucoup d'arches. Trouve-les. Elles contiennent toutes les ressources précieuses qui t'aideront à affronter l'autorité. Mais tu auras besoin d'aide, d'alliés. Si Lily est toujours en vie, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Il existe d'autres compagnons, des gens dont tu n'auras entendu que des rumeurs. À la fin des guerres de l'autorité, certains d'entre nous, les résistants, avons lancé le projet d'Arche. Il a été conçu dans le but d'éradiquer l'autorité, une fois pour toutes. Nous savions qu'elle n'allait pas disparaître comme ça malgré ses pertes. Et nous savions que le général Cross possédait une technologie qui lui permettait de faire quelque chose ressemblant à une mortalité. Le projet d'Ag fut abandonné lorsque Vineland s'isola du monde extérieur. Mais une sorte de pacte demeura entre les trois fondateurs originaux et moi-même. Tout d'abord, John Marshall de Gunparel, un vieux soldat coriace et bourru qui mena le premier combat contre l'autorité. Personne ne saisit l'importance de la technologie et de l'espionnage autant que lui. Il pourra t'aider à échapper à la vigilance de l'autorité. Début de la mission, bonne générale. Ok. Ok. D'accord. Ranger. Ok. Ensuite, vient l'Ozome Agar de Wellspring, fille du héros de guerre Dan Agar. C'est une ancienne combattante devenue maire de la plus grande ville du Wasteland. Sa capacité à se procurer des véhicules militaires te sera indispensable. Ouais. Ok, je suis vraiment obligé de lire. Je n'aime pas lire. Bon, je pense qu'elle a tout dit, dans le sens où c'est elle qui va me procurer les véhicules. Je pense que tout est dit. Ok, bon. On va sortir de là. Hop. Et pour finir, le docteur Antoine Kvasir. C'est un ancien scientifique de l'autorité qui a rejoint la résistance. C'est un génie en matière de nanotrique et de mutation. Le projet d'Ag repose sur ses compétences. Allez, docteur Kvasir, Anton Kvasir. Ouais. C'est jamais que de l'histoire. Ça tombe bien, je l'ai pas suivi. Tu voudras en apprendre plus durant ton voyage. Le processeur de ton armure possède des rapports qui répondront à beaucoup de tes questions. Bonne chance. Merci. Bordel. Tu pensais me balancer tout ça comme ça et disparaître, hein, tant de prolet. Bon, bah. Je suppose que c'est à moi de jouer maintenant. Ouais, c'est à moi de jouer. Retournez voir Lily. Ok. Lily, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Kvasir et l'Ozome Agar. Ils font tous partie du projet DAG, un plan élaboré pour arrêter l'autorité. Ok, c'est costaud comme commande. Ouais. Qu'est-ce que quoi ? Même depuis l'au-delà, ta mère, elle déconne pas. Costaud, Walker. Désolé, Lily. Mais bon, je suis prêt à explorer le Wasteland. Je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Viens me voir. Vas-y, fais péter. Alors, t'as trouvé quoi ? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. Ta survie en dépend. On va commencer par ta caisse. Une bagnole.
Si l'écran des projets, vous pouvez y acheter des projets à l'aide des points de projet que vous avez amassés. Les projets offrent de nombreux avantages variés. Pour l'instant, vous n'avez accès qu'au projet de base de Lily. Donc, commençons par là, exactement. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Ok. Vos élus possèdent chacun leurs propres ensembles de projets qui se débloquent en travaillant avec eux. Ces projets vous aideront de plusieurs façons et doivent être achetés avec des points de projet que vous gagnez en terminant l'exploration de lieux et d'activités dans Westland. Ok. Le premier projet que vous pouvez acheter, le menu véhicule, il vous récompensera avec votre propre véhicule de combat, le Phoenix. Le menu véhicule vous donne accès à des améliorations de véhicules et vous permet d'appeler un véhicule si besoin. Achetez-le maintenant, sélectionnant rien maintenant. Ok, d'accord. D'accord. Et bim! Génial, vous avez débloqué le menu véhicule. Vous pouvez y accéder depuis le menu Start. Vous débloquez d'autres projets en obtenant des points de projet. Ouais, bon, ça fait déjà 6 fois qu'ils le disent. C'est insuffisant. Ok, et donc maintenant, j'imagine qu'il faut sortir de là. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Phoenix est prêt à rouler. On a d'autres projets qui pourraient nous aider. Toi, tu dois être en forme. Et moi, je dois ramener un semblant d'ordre à Vineland. Avec un peu de chance, tes trois contacts du projet DAG te proposeront la même chose. Parce que ça te fera vraiment pas de mal de t'endurcir avant d'affronter Bah, il est l'autorité. là. Merci pour le conseil. Tu Bon, allez, j'y vais. Le monde dehors, c'est pas de la rigolade, alors fais attention. Et va pas foutre le bordel. T'es un ranger maintenant. Comporte-toi comme tel. Oh, et John Marshall de Gunbarrel est ton contact le plus proche. Tu devrais commencer par là. Fais gaffe, on a besoin de toi. Ok, c'est parti. Balle de fusil d'assaut, ouais, ok. J'ai pas vu s'il y avait d'autres munitions par terre. J'imagine qu'il y a. Ok, d'accord, mais. Donc il y a bien des objets un petit peu partout. Je sais pas, j'ai regardé un petit peu. Ouais. On regardera ça plus tard. Surtout que j'ai vu qu'il y avait moyen de faire une nouvelle partie plus, donc j'imagine qu'une fois que c'est fini et qu'on a. Regardez un peu qui voilà. Ranger, c'est ça? Je suis Phoenix. Je suis belle et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi Oh, et moi? il y a des sulfates à l'avant! Ouais! Allez, c'est parti. Vas-y, on roule comme un starbé. Ouais, carrément. Et ça, c'est pour tirer. Ok. La route est barrée et pas par une main innocente. D'accord. C'est une embuscade à tous les coups. Ah oui. Débloquer ce truc. Allez, boum. Allez, boum. Allez, mec. Aouh. Salope. Sont les autres machins? Ah bah oui. Pourquoi faire? On a pas besoin. Des munitions. Ah non. La camelote. Par contre, c'est hard.
façon de bouger. Ok, ok. Encore de la camelote. Kesako. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ok. Je découvre, hein, faut pas m'en vouloir. Ouah, du pognon. Ah, il y a deux caisses de conteneurs apparemment. Je peux pas trouver la deuxième. Qui se trouve probablement de l'autre côté. J'ai déjà regardé. Je suis à fond. Ok. Ok. Ah. Attends. Ça fonctionne très bien comme ça aussi. Bah, elle est là, deuxième caisse. Allez, faisons tout. Est-ce qu'on lève ce barrage routier? Pas une commande activée, quoi. Je m'en fiche pas. Voilà. Ah bah super. Ça commence bien. Déjà Keblo. Je découvre, il faut pas m'en vouloir. Manivelle peut-être quelque part. Ici peut-être. Oui, voilà, exactement. Ouais. Complètement surfait les barrages. La... D'accord. La voie est libre. Ouais, l'Alliance va adorer. Ça va pas de dégâts de chute. Ça me plaît bien en tout cas jusqu'ici. Tiens, juste pour ouvrir comme ça, il y a moyen de taxer le véhicule. Oui. Ah, aucune arme disponible. On va pas s'en servir alors. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que cela... Walker, je sais que le Westland est grand. Mais dis-moi que t'as pas oublié John Marshall. Wow! Ok, d'accord. C'est un mauvais plan, c'est un mauvais plan. On m'a toujours dit que la curiosité est un mauvais défaut. Un mauvais défaut. Ouais, c'est ça. Gentiment reprendre la route. Bon bah quand il y a un truc comme ça qui est largué, vaut mieux éviter, hein, pour l'instant.
Attends une seconde, il y a une map là. Oui, il y a une map. Très bien, très bien. Ok, comme ça, comme ça. C'est quoi? Arche de la grande faille. Faut que je l'efface, les arches. C'est un poste de bandit. On dirait qu'il transporte du carburant. C'est une station de ravitaillement. Elle remplit les réservoirs pour leur convoi et leur raid. Détruire tout ce carburant, ça devrait les handicaper. Déjà. C'est plutôt efficace, hein. Un petit morceau. Non, c'est fermé. Du coup, il y avait un machin, ça s'appelait l'arche. Ouais, ok, d'accord, c'est la merde. Ah bah, c'est là-bas. Ok. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'arche. 408A. Vas-y, répétez. La piste, allez. Vous avez terminé l'installation de l'ID intronisation saut 0G. Grâce à elle, une fois en l'air, vous pourrez effectuer un saut supplémentaire défiant la gravité. Mmh. Vas-y. L'entraînement ont été rempli. Au revoir. C'est tout. D'accord. Hé, hey, cette arche débordait de matos incroyables. Ouais, je sais. Je suis complètement jalouse là, alors ne la perds pas trop, tu veux? C'est vrai que j'ai pas regardé. La seule... Grenade, bien sûr. Pas des armes, des armes, on veut des armes, des guns. Capacité des armes trouvées dans les armes, ça peut être 1 000 000 à 1 000 000 de capacité des armes, vous trouver des bonus de main. Ouais. Des modes de structure d'armes, ok, ok, le magasin. Okay. Puissiez-vous guider l'humanité vers un nouveau départ?
pas trouvé d'armes. Je suis pas d'accord. Il y a des trucs là-dedans. Quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Y'a rien, y'a rien. Y'a pas d'armes. Y'a pas d'armes. Ils sont où les armes? Y'en a pas. Des méchants, une blague. D'accord. C'est bon à savoir. Il y a des caisses, il y a des caisses. Ça va pas être grand. Ok. On a un peu de hauteur pour pouvoir observer. Ok. Rien de plus. Ok. Les autres caisses là. On n'a pris que deux sur les quatre. Composant mécanique. Ok. Ok, ok, ok. Je vais choper combien de boîtes? Deux. Ah bah y'en a. C'est une caisse là. Du pognon. C'est bien comme je disais, on dirait un bon gros Borderland. Ça doit être là-dedans. J'ai pas envie de passer à côté. Ah, il est là, ok.
Et ça roule, Nat. À la prochaine, merci. Je vais pas tarder. Que j'ai pas à choper. Vu que je suis bigleux, il y a moyen que je sois passé 10 fois à côté, je l'ai pas vu. Il y a moyen. J'ai oublié un pas. Pourquoi tu me piques ma bouteille de substance chirale? Pas gentil. Elle me taxe mon coca. Ah, j'ai trouvé la dernière boîte. Elle est là-haut. Là. Bim. Voilà. Mais bon, on a tout mis. Bon, on va au moins aller jusqu'au premier gars là chez qui on doit aller. Et puis après, gentiment, des stations de ravitaillement des rangers. Il y a... Oh, vas-y, tu fais mal. On va y aller. Activation des systèmes. Ouais, ça les ramasse pas, faut que je descende. Tout ça pour de la feltrite. Toute flétrie. Allez, un petit beurre. Clé. Est-ce que pas? Ça c'est fait. Encore un là en dessous. Je le vois pas. À l'intérieur. Bah non. Thank you.
amélioration d'armes. Ah, il est là. Pas ramassé. La musique d'ambiance est assez chelou. Hein. Je devrais apprendre à jouer sur le clavier et sa mère. Sont insane. Limite dégueulasse. Non, je crois qu'on va rester à la manette. C'est pas très bien. Bon, ça c'était fait. Je mets 2 sur 5. Il en manque encore 3. Quelqu'un les voit, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, je dois encore déglinguer ça aussi. Carburant part en fumée. Littéralement. J'aurais aimé y être par ces colonnes de fumée noire dans le ciel. Et encore une caisse que j'ai pas chopée. Alors. On va bien regarder. On va bien regarder. J'ai dans un sale état le truc. Je vais pas le réparer. Un truc pour pas. Le véhicule. Impossible de faire venir ici. C'est comme ça qu'on le répare. Il faut que j'essaye. Bah voilà, j'ai trouvé. C'est quoi ça?
tard. J'ai déjà allé chez l'autre. Ok, viens de trouver le frein à main. Ça c'est quoi? Ah ouais. Il y a des méchants? On dirait pas. Tranchant, désolé, le tranchant. Ok. Ok. Marchand de véhicule. Aligner la monnaie ou du bal. Vous êtes au garage. Bah, regardez. Et moi, c'est Elgar. Les munitions, les munitions, les munitions. Et. Pièce mécanique. Ok. J'ai fini. Ranger. Hey, vous avez l'air balèze. Je vais aller voir. Quoi? Bienvenue dans le fond. Qu'est-ce que c'est ça? Stanley Express, rénové et rétabli. Ok, on verra ça plus tard. Faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Ville marchande. Dans les villes marchandes, vous rencontrerez divers types de marchands auprès desquels vous pouvez acheter et vendre. Ces individus peuvent également vous donner des informations sur certains lieux. Les villes marchandes peuvent aussi être atteintes. Ah, voyage rapide depuis la carte, c'est bon à savoir. Donc quand t'as pas envie de te taper la route, tu fais un voyage rapide. Ouf. Je mets frisson. Hey. Quoi? On dit hé. Hey. Un peu avant que t'entres. Ok. Salut bébé. Appelle ta mère que je te recommence. Vous êtes pas du coin? Ici c'est le tir à blanc. Le meilleur bouge de gun barrel. Il y a du monde. Et pas que détendre. Marshall compte sur moi pour que ça dégénère pas ici. Je m'appelle Sol. Sol TV. Pas de soucis. Je viens pas chercher la merde. Tant mieux pour votre gueule. Après, vous avez l'air d'aimer l'action. Allez voir l'arène de Mutant Bash, au nord. C'est génial. Le meilleur spectacle qu'on puisse trouver. Ok. Vous avez l'air d'aimer l'action. Vous allez voir l'arène de Mutant Bash. Ok, au nord, c'est génial. Le meilleur spectacle qu'on puisse trouver. Ça balance du sang, du feu, de la fumée à gauche. Ok, d'accord. Tu veux pas le faire? Bon, ça va, je peux y aller. Vas-y, prends le raccourci là. Ah. Ah bah ça y est, on a trouvé le barbu. Tes infos sont pas fiables, Lolo. Donne-moi juste une petite gorgée et marche. Non, t'auras pas une goutte si tu ne me donnes pas plus d'infos. Je te dis la vérité, marche. Vineland est mais détruite. Ouais. Voyez de la carte par de méchants cybermutants. Je ne te crois pas, Lolo. Tu veux seulement que je te rince encore à l'œil. Vineland est détruite. Tiens, tu vois, j'avais raison. N'avale pas tout d'un coup. Un ranger. On n'a pas vu de ranger ici depuis des lustres. John Marshall. Soldat légendaire de la résistance, héros de guerre. On a grandi en écoutant. Il a une bonne tête en tout cas. J'avoue que je m'attendais à plus. Un âge biologique, 73 ans. C'est pas possible. Les défenses de Vineland sont impénétrables. C'est ce qu'on se disait tous. On les attendait pas. On n'attendait pas l'autorité. Ils sont revenus. J'imagine que tu es là pour le projet DAG. Le problème. C'est que nous aussi, on est assiégés. Des mutants.
Il bouche notre générateur à turbine dans les égouts. Alors, si quelqu'un pouvait s'en occuper... Si ça me permet de réactiver le projet DAG, dites-moi quoi tu es et où. Tu comprends vite. J'ai envoyé tous les porte-flingues qui sont pointés, mais ils sont tous morts. Je reviens tout de suite. Cul sec. Entrez dans les égouts. Bon. Regardez la partie. Nous avons placement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? J'imagine que c'est ici. Ah ouais, vous n'êtes pas sans savoir que ça veut souvent dire que je vais y aller. Eh oui. Plouf, plouf, plouf. Et donc voilà. 3h37, c'est pas mal quand même. 3h40, on a fait du Death Stranding, on a fait un peu de World of Warcraft et on a fait du Rage 2. Voilà. Et ça me plaît bien. Donc je pense que je vais encore en faire quelques-uns sur Rage. Bon, je connais pas l'histoire de fond, mais peut-être moyen d'en découvrir un petit peu. Donc du coup, voilà. Moi, je vais arrêter là et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à ceux qui ont maté la rediff, j'espère qu'ils se sont bien amusés. À savoir que je vais découper le morceau que j'ai fait de Death Stranding pour pouvoir le mettre sur YouTube. Donc voilà, je suis désolé pour Death Stranding, mais ça va attendre quelques mois, le temps que j'ai un petit peu de modlaga pour pouvoir acheter un nouveau PC. Donc voilà, moi je vous dis à tous la bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.